Malgré les interdictions de sa grand-mère, la jeune réalisatrice Esmaé El-Moody creuse dans son histoire familiale tout en explorant de manière ingénieuse et artisanale un quartier du vieux Casablanca dans son film documentaire La mère de tous les mensonges. Découvrez les coulisses de son travail créatif dans une interview exclusive. Bonjour Asmae, bienvenue sur Initiative Africa. Vous êtes cinéaste et vous êtes à Paris pour la sortie de votre film. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous parler de l'origine de votre film La mère de tous les mensonges? Vraiment, le manque des souvenirs dans la famille intime, poser la question pourquoi on n'a pas des photos, pourquoi on n'a pas des souvenirs comme tout le monde, c'est ce qui m'a inspiré vraiment à raconter cette histoire, c'est la mémoire intime et la mémoire collective aussi. La question d'archives, moi je suis quelqu'un qui adore les archives et qui aime beaucoup regarder des images du passé, surtout quand il s'agit d'un père qui a filmé ou est dans, oui, aussi l'archive d'un pays aussi, mais quand on trouve pas des choses, on a ce manque-là et c'est ce manque-là qui m'a poussé à faire un film sur la mémoire. Pouvez-vous nous décrire le rôle central que joue la découverte de la photo dans votre film et comment cela remet en question les souvenirs de votre enfance? Vraiment, cette photo ne m'a jamais fait mal de savoir si c'était moi ou n'est pas moi dans la photo, c'était juste un souvenir. Peut-être un faux souvenir que ma mère m'avait donné juste pour m'apaiser parce que je l'ai harcelée pour avoir un souvenir. Et c'était juste un élément déclencheur pour pouvoir questionner des questions beaucoup plus profondes par rapport à pourquoi on n'a pas d'image sur d'autres sujets qui sont plus importants. Parce que ça peut être un symptôme de. C'est-à-dire, la maison, c'est qu'une miniature de ce qui peut se passer dans la société. Dans votre film, vous avez une certaine représentation des arrêts de plomb au Maroc. Quel message avez-vous souhaité transmettre? Oui, le message, c'était juste de dire à ma grand-mère, à la génération de ma grand-mère, que le Maroc a changé, que nous, aujourd'hui, on vit dans un Maroc un peu différent et beaucoup mieux et libre. Et on peut revenir sur notre passé sans avoir peur. Et surtout, j'étais pas en train de chercher les coupables ou qui a fait ça ou qui a fait ça. J'étais juste en train de poser la question. Est-ce qu'on peut raconter des histoires si on n'a pas de preuves? Et surtout le message, s'il y a un message, parce que le cinéma ne donne jamais des messages, il provoque. Et ce que j'ai fait dans ce film, c'est de provoquer des choses et de provoquer des questions sur la mémoire. Et le message, ce serait, il faut pas effacer la mémoire, il faut la garder, quelle que soit na sa nature. Blanc, noir, c'est notre passé, il faut le garder, il faut le préserver, il faut que ça soit un article pour les générations qui viennent après, parce que celui qui n'a pas de mémoire, il ne peut pas avoir un futur. Vous évoquez également le thème de l'identité, de la quête de vérité personnelle. Comment avez-vous fait le choix de traiter ces sujets et quelles réflexions espérez-vous susciter chez le public? Oui, c'est bien on aime bien creuser et fouiller sur les secrets familiaux. Et moi, je suis cette personne qui aime beaucoup poser des questions et surtout, je me retrouve en train de poser des questions à des gens qui ne veulent pas répondre, qui n'ont pas de réponse. Et c'est pourquoi j'insiste que j'étais réalisatrice et non pas journaliste, parce que je ne vais jamais poser les questions directes, mais je vais chercher vraiment, je vais faire l'investigation, mais d'une manière cinématographique. Et ça m'a aidé à créer une interaction avec ma famille et de décortiquer comment ils pensent et de aussi d'avoir la possibilité qu'on bouge ensemble du Maroc d'hier où ils vivent à ce nouveau Maroc où la parole est libérée et où on peut créer des choses dans l'art. On ne juge jamais l'imaginaire et voilà. Donc c'était une thérapie de tout le monde dans ce film. Dans le film, on voit votre père fabriquer des maquettes de votre quartier et des figurines. Est-ce que vous pouvez nous parler du processus de réalisation de votre film et des défis que vous avez rencontrés? Ouais, pour moi, c'était difficile de filmer dans quelques décors et aussi j'ai pas de timeline quand est-ce que je vais finir le film, donc il fallait créer un dispositif filmique que je peux toucher et que je peux maîtriser. Et c'est comme des marionnettes et les figurines sont là pour dire aussi qu'on ne sont pas des marionnettes, nous sommes des êtres vivants qui ont une âme et qui peuvent parler, qui peuvent libérer la parole. Donc pour moi, le dispositif, c'était l'idée de mon père, qui est mon complice dans ce film. Et à force de ne pas trouver quelques autorisations pour filmer dans des endroits spécifiques,
Elle me dit que, écoute, on va revenir à l'idée. C'était une proposition, un brainstorming. On va revenir à l'idée quand tu étais petite, toi et tes frères et sœurs. Je te rappelle, on fabrique des maisons en carton où vous pouvez jouer dedans. Eh ben, c'était l'idée. Mon père qui a mis ça sur un plan, mais c'était très difficile pour lui. Donc, 8 mois de construction, on a appelé une équipe marocaine qui a aidé vraiment à la construction et à la fabrication de tout ça. Et c'était important pour moi de fabriquer ce décor, et parce que j'étais plus dictatrice, directrice, et j'avais plus la main à la pâte pour être libre dans ma création et ne pas être contrainte à des tons ou à des portes fermées. Combien de temps s'est écoulé entre l'idée initiale de votre film et sa concrétisation finale? Disons 2012 jusqu'à 2023, mais je travaillais pas tous les jours. J'avais des moments où j'avais des dépressions, que je trouve pas le dispositif, que j'arrive pas à filmer avec quelqu'un, que ma grand-mère a dit non, que. Donc il y avait plein de contraintes, de l'argent. Je suis la productrice, il faut chercher l'argent pour revenir, il faut payer les factures, il faut. Donc j'ai galéré physiquement, moralement, mais je suis très contente parce que le résultat était magnifique. Première à Cannes, et ça continue, c'est vraiment magnifique, magique ce qui s'est passé. Comment cette expérience personnelle a-t-elle influencé le développement et la direction de votre film? Ouais, je regrette pas parce que je crois que c'est le temps que tous les films doivent prendre. Mais moi, je vais pas faire 10 ans quand même après pour faire un autre film parce que ça prend de l'énergie, ça prend du temps et ça prend. C'est pourquoi je suis en train d'écrire une fiction avec un fait réel. Je suis obsédée du réalisme, de c'est-à-dire du réel. J'adore filmer le réel. J'adore découvrir les histoires des hommes avec un grand H et de faire les films avec eux et pas sur eux, et de prendre le temps avec des gens qui n'ont jamais été devant ma caméra, devant une caméra. Et ça, c'est ce qui m'intéresse dans le cinéma. C'est parce que quand on fait de la fiction, on essaie toujours d'écrire des histoires pour ressembler à la réalité. Et moi, je fais le contraire. Je prends la réalité et je ressemble à la fiction. En découvrant les secrets et les mensonges de votre famille à travers ce projet cinématographique, quelles leçons avez-vous apprises sur vous-même et sur votre histoire familiale? J'ai appris que tout le monde peut changer et que quand on a une décision, quand on pense à quelque chose, ce n'est pas la fin du monde, ce n'est pas la décision en elle-même. Ça veut dire, ma grand-mère qui pensait que toujours les photos sont pas bien et tout ça, elle finit par prendre une caméra en la main à la fin du film. Et ça m'a pris beaucoup de temps pour faire comprendre à ma grand-mère que ma caméra ne déforme rien, ne change rien dans la création du Dieu qui crée des gens. Et nous sommes des musulmans et qu'on pense bien sûr que Dieu seul qui peut créer qui peut faire des créatures comme les êtres vivants ou les animaux ou tout ce qui était sur Terre. Donc ça, j'ai essayé de garder, c'est-à-dire de ne rien changer sur l'idée de ma grand-mère, mais de la laisser comprendre que ma caméra ne déforme personne. C'est juste un miroir qui peut transformer et qui peut capter, et qui peut capturer et garder des archives, des souvenirs. Et donc les souvenirs sont précieux, il faut jamais les effacer, il faut les garder. On a besoin de revenir à chaque fois d'une manière nostalgique à ce qu'on à nos souvenirs pour pouvoir vivre et passer à autre chose. Parce que quand il y a un manque, il y a toujours un problème. Et quand on parle de ça et quand on fait des histoires sur ça ou on filme ça, c'est comme de la thérapie, hein, et ça passe. Comment le film a été reçu auprès de votre public marocain? Le public marocain a vraiment adopté ce film et ils sont s'identifier sur cette histoire, sur cette grand-mère, sur ce passé. Et je trouve que on est en train de changer l'histoire du cinéma marocain. On est en train de faire revenir le public aux salles de cinéma. Et c'est incroyable ce qui se passe avec ce film maintenant au Maroc. Je suis très contente de faire ces avant-premières avec mon public marocain et de sentir qu'on a les mêmes aspirations, qu'on a la même histoire, on respire les mêmes idées
Et la même grand-mère qu'on retrouve dans toutes les maisons, c'était chouette de faire cette projection avant-première dans trois villes marocaines, la Cinémathèque de Tanger et Meknès Camera et Laetitia à Casablanca. Ces trois cinémas sont magnifiques, ça date au moins de 85 ans, c'est des cinémas historiques et c'était exprès de faire les projections avant-première dans des endroits comme ça. Je suis très contente, ma distributrice marocaine, ils font un travail magnifique pour la Cinémathèque de Tanger. Et voilà, donc la sortie c'était aujourd'hui. Tout le monde parle du film au Maroc parce qu'il a gagné le Grand Prix de Marrakech, l'Étoile d'Or. Et je crois qu'il est temps que les Marocains admirent leur propre cinéma et la défendent parce que chaque peuple pousse leur cinéma local. On a besoin du peuple marocain d'abord et puis africain. Oui, il ne faut pas nier que les Africains, le MENA région a beaucoup aidé ce film. Je suis très fière que ma région, mon continent, soutient notre cinéma, comme le Maroc aussi qui soutient tout le cinéma africain. On a des collaborations avec des pays en Afrique, comme le Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mali, et aussi avec des pays arabes. Mon film est en coproduction avec trois pays arabes. Donc je crois que c'est très bien ce qui se passe dans l'Afrique en général, dans notre continent. Et c'est une dynamique qui va contaminer tous les jeunes du cinéma, du 7e art qui adorent raconter des histoires. On a un message pour leur dire qu'on peut raconter des histoires sans avoir aucune image, sans avoir des preuves. On peut parler de notre passé, on peut le libérer. Il faut juste rester dans le cinéma, rester dans l'art et ne pas dans le direct. C'est pourquoi j'insiste, je ne suis pas journaliste. Vous êtes journaliste et c'est un métier qui est adorable, que je respecte, mais c'est juste que le cinéma, ça n'a jamais été direct. C'est pourquoi il faut prendre du temps pour faire du film. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir? Quels sont vos prochains projets cinématographiques? Je viens de finir la résidence du Festival de Cannes. On est en 6 personnes, on est en train de préparer, de écrire le prochain film. Ça va pas prendre 10 ans, mais ça va prendre quand même du temps parce que c'est un fait réel, mais c'est de la fiction. C'est une nouvelle aventure. Je vais la faire comme toutes les autres aventures d'avant. Il faut juste que je prends le temps, rentrer dans ma bulle et s'éloigner des réseaux sociaux et de reprendre la flamme et surtout prendre le temps à trouver mon inspiration. Parce que c'est ça ce qui fait les films, c'est pas quand on est présent tout le temps dans les réseaux sociaux et tout ça, c'est pas healthy, c'est pas très. C'est bien de prendre le recul et de revenir dans la bulle de la création. Ouais. Merci beaucoup, Asmaé. Merci à vous.